Les milliards d'Alassane Ouattara pour combattre le peuple burkinabé. Des organisations corrompues à la manœuvre bientôt. Deuxième partie et fin. Une enquête judiciaire doit être ouverte sur la fortune subite et incroyable de ces activistes embourgeoisés qui rêvent encore de manipuler le brave peuple du Faso contre ses propres intérêts. Mais le génie dans cette affaire, c'est que bien qu'en agissant dans le sens de soutenir et de financer les partisans de Roch Kabore, son neveu, face à l'évidence du coup d'État réussi, Chris Siapis certifie qu'Alassane Ouattara a pris contact avec le MPSR et va leur envoyer à eux aussi de l'argent pour tenter d'acheter leur sympathie. Chris Siapis, avec force, demande au MPSR de dire non à l'argent maudit d'Alassane Ouattara. D'autant qu'il a fait dire au MPSR qu'il usera de tout son poids pour peser sur la CDAO afin que la junte militaire burkinabé ne soit pas sanctionnée. Pourtant, dans cet audio du sommet extraordinaire de la CDAO tenu le 28 janvier 2022 qui a fuité, on entend clairement ce même Alassane Ouattara demander le contraire à ses pairs et exiger des sanctions fermes contre le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervient dans ce pays. Intervenu dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une répression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région, en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kabore, président démocratiquement élu à deux reprises, doit être condamné. Comme on m'a dit, porteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir deux priorités. Tout d'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch Marc Christian Kabore. Condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'emploi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major, des armées de notre communauté, afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être examinées en marge du prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022, Alassane Ouattara leur a dit que c'est grâce à lui que son ami Emmanuel Macron a adopté un ton mesuré avec la junte militaire burkinabé. Que la junte jure sur la Bible ou le Coran qu'Alassane Ouattara ne les a pas appelés au téléphone. Sachez qu'il ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. C'est un Janus biface qui regarde en avant et en arrière, qui peut être ami à quelqu'un et dans le même temps travailler avec les ennemis de cette personne. La preuve, Alassane Ouattara, qui était en contact téléphonique permanent avec Roch Christian Kabore dans les heures qui suivaient sa capitulation,
lui avait fortement déconseillé de démissionner. C'est la présentation autorisée au sujet du communiqué, du projet de communiqué de presse. J'ai vu que le président Kaboré avait démissionné sous la menace. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à midi après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas venu en politique pour créer la tuerie au sein de ses compatriotes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est le même Alassane Ouattara qui, dans le même temps, veut des relations détendues avec la junte militaire burkinabé. Peuple du Burkina Faso, Chris Siapi tient à vous dire qu'Alassane Ouattara est un manipulateur hors pair. Il n'aime point Roch Kaboré et son MPP, ni la nébuleuse du balai citoyen, encore moins le MPSR. Il n'aime qu'une seule personne au monde, lui-même. Pas même Dominique Ouattara, tendre et chère épouse d'Ifan Tagbé pour le spectacle, mais avec qui les relations deviennent de plus en plus tendues. Ce qu'Alassane Ouattara veut faire au Burkina Faso, c'est créer le chaos qui lui permettra de mettre à la tête du pays un de ses poulains à lui. Il ne peut adouber le MPSR puisqu'il considère que le lieutenant Damimba et ses hommes ne l'ont ni averti ni associé à leur projet de coup d'État. Il joue au double, voire triple jeu. Si le peuple burkinabé n'y prend garde, Alassane Ouattara va semer définitivement la chienlit dans ce pays frère, car, je le répète, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et elle a commencé la danse de la sorcellerie, une chorégraphie parfaitement maîtrisée par les initiés, toujours les mêmes. À chaque changement de régime, ils se mettent à se trémousser dans une frénésie courtisane sans retenue. Prêts à toutes les formes de reniement et de revirement, de trahison et de compromission pour parvenir à leur fin. S'accrocher comme des sangsues aux nouveaux arrivants et les siphonner de tout sens d'intégrité morale. Tels des oiseaux de mauvais augure, ils vont d'arbre de pouvoir à un autre une fois que le précédent tombe, pour installer sur les branches du prochain leur nid de mensonges, de médisances, de médiocrité, de calomnies, de diffamation, d'hypocrisie, de traîtrise et de corruption. On les retrouve dans deux grandes familles, incestueusement liées parfois pour le pire, pour des intérêts égoïstes assumés. Les politiques et les fameuses organisations de la société civile. Spécialistes des pirouettes langagières, leur vocable reste constant. Pour les politiques, vous entendrez souvent « On s'y attendait, c'était prévisible, mais c'était inévitable, ce pouvoir était en agonie. Oh, ce président n'écoutait personne, il ne gouvernait qu'avec ses amis, sans pourtant jamais être parti. Pathétique. » Les organisations de la société civile, elles font plus fort. D'abord, par leur nombre pléthorique, parfois avec des dénominations aussi fantaisistes que banales, capables d'entrer en hibernation pendant des années et de ressusciter au bruit d'espèces sonnantes et trébuchantes pour se transformer en club de soutien instrumentalisé à souhait par des formations politiques elles-mêmes à la dérive. Avec elles, vous entendrez « Nous saluons ». Nous remercions, nous félicitons, nous soutenons, nous demandons aux nouvelles autorités de leur spécialité, les conférences de presse. Le tout avec la complicité de médias griots, prompt à mobiliser journalistes, caméras, micros, dictaphones, stylos, bloc-notes, enregistreurs, appareils photo et de donner une aura à des hommes et des femmes incapables de mobiliser deux personnes pour des réunions familiales et qui ont pourtant la prétention de changer la vie de tout un pays. Sans doute que les demandes d'audience et les appels téléphoniques à l'endroit des nouvelles autorités, comme on les appelle, explosent. Lieutenant-colonel Damimba,
Au cas où vous l'ignoriez, sachez que depuis les crépitements d'armes dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, la danse de la sorcellerie avait commencé. Assurez-vous d'en connaître très bien les pas, au risque de vous marcher sur les pieds et de trébucher et entraîner dans votre chute, peut-être l'espoir de tout un peuple. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.